What's up tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Attention mesdames et messieurs, parce que là ça va être un sujet super super intéressant de ma part. Après j'espère que ça va vous plaire, parce que pour moi c'est vraiment une révolution. Là c'est un truc immense qui va arriver au niveau de la technologie, au niveau des smartphones plus particulièrement. Le projet s'appelle ARA, donc c'est proposé par Google. Donc c'est Google qui sont en train de construire un nouveau smartphone. Attention, c'est pas le Nexus ou un truc comme ça. Ici c'est quelque chose à part que nous propose Google. Donc ils ont passé ce smartphone là à plus de 100 testeurs environ. Tout simplement ce sont des pas des clients, enfin ce sont des, on va dire des gens, enfin leur communauté hein. Ils ont demandé en fait à des personnes s'ils voulaient tester leur nouveau produit, leur nouveau smartphone. Il y a eu plus de 30 000 demandes et donc ils ont filé leur smartphone, ils les ont donné donc à 100 personnes et puis ils leur ont demandé en échange bien sûr hein, ça se fait sous contrat, donc de que ces personnes donnent leur avis, tout ça, etc, etc, et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo sur YouTube unboxing normalement, parce que bah, pour l'instant on n'a pas encore trop de choses là dessus. Il y a une conférence en fait donc avec Google à San Francisco, ça date environ une semaine et demie, à laquelle voilà Google ils ont pu présenter leur nouveau smartphone. Et ce smartphone là, je vais arrêter d'en parler parce que je pense que là on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vraiment un truc de fou, mais vraiment là je suis vraiment étonné, et moi franchement il sort, je l'achète tout de suite. On appelle ça, et c'est nouveau, donc ça va être à mon avis révolutionnaire, c'est le smartphone modulable. En gros, c'est un smartphone que vous allez pouvoir le créer à votre aise. Vous allez acheter le smartphone de base, comme tout le monde, c'est-à-dire que tu achètes le smartphone, tout ça, le téléphone, tu l'as en main. Et une fois que tu l'as en main, de toute façon, je vais vous montrer des images sur l'écran, eh bien, tu pourras le modifier tel que tu le souhaites. Alors, déjà, juste pour vous dire, en fait, cette idée-là vient pas exactement de Google. Ils ont tout simplement racheté le truc et puis ils ont tout simplement continué l'idée, parce qu'ils savent très bien, et j'en suis sûr, que ça va être une révolution, mais vraiment, hein, une révolution technologique. À laquelle, bah, en fait, à la base, c'est Motorola qui développait, qui ont innové, on va dire, cette idée-là, et qui ont, on va dire, continué, hein, mais bon, suite à un manquement d'argent, tout ça, bah, on va dire que c'est Google qui ont pris le dessus. Et qui ont racheté tout ça, à laquelle en fait c'est tu peux, quand tu achètes ce smartphone de base, après tu vas pouvoir tout modifier, que ce soit l'autonomie, la batterie, tu peux la changer, tu peux racheter d'autres batteries et la mettre à ton smartphone. L'écran, tu peux changer l'écran, tu peux changer le processeur, tu peux changer l'appareil photo, tu peux tout changer, voire aussi peut-être la coque, changer de couleur, tout ça. Et quand j'ai vu ça, et déjà j'ai vu en plus un peu l'ergonomie de l'appareil, et je me suis dit franchement qu'il a l'air, mais vraiment, mais d'être une tuerie. Ça reste d'être, franchement, tu le vois comme ça, tu dis je l'achète, c'est bon. Après ça dépend du prix aussi, hein. J'espère que le prix, on n'a pas d'infos, donc je pense que je vais faire pas mal de vidéos sur ce projet ARA, parce que ça m'intéresse énormément ce truc, et peut-être pourquoi pas demander pour le recevoir en avance, mais à mon avis ça se fera pas, je pourrais pas, mais vous le présenter dès sa date de sortie, enfin de le jour en fait de sa date de sortie, pourquoi pas. Pour l'instant, ce qui est officiel, bah déjà c'est tout ça, c'est qu'aussi Google par exemple, on dit bah pour l'instant qu'elle est qu'en phase de bêta, mais qu'elle est terminée, c'est-à-dire que là ils ont juste prêté à 100 testeurs. Et ils vont attendre avec impatience un peu leur retour pour voir s'il n'y a pas des choses à changer. Si tout va bien, si tout passe tout tranquillou, tout ça, eh bien la commercialisation mondiale en fait se fera dans 8-9 mois. Donc d'ici on va dire un an, vous aurez, si tout se passe bien, on va dire Google qui vont enfin sortir ce nouveau smartphone. Le smartphone un peu modulable. Ça fait bizarre de dire ça parce qu'en fait vous allez pouvoir complètement changer. Et je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires, mais moi ça c'est vraiment un truc de fou quoi. Pour moi c'est un truc révolutionnaire, c'est un truc mais vraiment que le public va attendre, et que si ça se fait, et je pense que ça se fera de toute façon par Google, ils savent très bien, enfin les gens qui travaillent là-bas ils sont super intelligents, enfin voilà quoi, c'est des gens qui ont le doctorat au minimum, donc dis-toi que qu'il n'y a pas de problème là-dedans, il y a de l'intelligence, mais que ça se fera avec toute simplicité normalement hein, parce que c'est à l'attente du public, c'est-à-dire quelque chose que tu peux modifier vraiment à ton aise, mais avec toute simplicité, sans vraiment avoir des connaissances électroniques ou autres, c'est-à-dire que voilà, tu peux vraiment le changer comme tu veux, et ça, c'est une tuerie.
À voir, franchement, à voir. Je vous montrerai des images, tout ça sur l'écran. Voilà, j'ai pas papoté plus parce que sinon, parce que là j'ai plus rien à dire. Donc voilà, mais franchement, je suis ébloui par ce concept là. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Vous faites comme vous voulez. Surtout, la chose la plus importante en fait, c'est de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Là, je suis vraiment, j'ai bien regardé la barre, enfin les commentaires, tout ça. La barre des commentaires, pourquoi pas aussi. Et puis aussi de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Vous faites comme vous voulez. Et pourquoi pas, j'essaierai d'essayer de me le procurer en avance. C'est vrai que les sur YouTube, tout ça, ils peuvent un peu se procurer. Déjà que là, je peux, il y a Logitech qui me file du matos gratuitement, donc peut-être, pourquoi pas, enfin, que d'autres entreprises m'en filent, mais faut voir après s'il n'y a pas une filière en fait, ou je sais pas, un truc comme ça qui pourrait me l'avancer, comme ça, je pourrais tout simplement vous le proposer pas en exclu, parce qu'il y aura d'autres personnes aussi, mais en avant-première un peu, avant qu'elle sorte officiellement, donc que ce soit, on va dire, au niveau de l'Europe. Voilà, merci pour tous les gens, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.